Salut à toutes et à tous, c'est Super Sagetto et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur, vous l'auriez deviné, peut-être, Metal Gear 5 Ground Zeroes. Alors c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps sur PC, mais qui est sorti il y a presque un an sur Xbox et PlayStation, Xbox One, Xbox 360, PS3 et PS4. Et là on se retrouve avec la version PC du jeu. Donc, si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous parler du jeu en soi, mais c'est pour vous parler d'un mode qui est sorti récemment du jeu. C'est une vue à la première personne du jeu, donc qui va changer complètement le gameplay. À la base, Metal Gear, c'est un jeu à la troisième personne. Du coup, ça, on voit quand même la différence. C'est à la première personne. Donc, c'est un mode amateur fait par des fans. Qui est pas mal du tout hein, le temps le jeu est sorti il y a 3 semaines on va dire maintenant et c'est vraiment vraiment bien fait et bon il y a juste encore quelques bugs au niveau de pour les armes c'est le viseur il suit enfin l'arme suit mal le viseur donc c'est encore des quelques bugs mais franchement c'est pas mal du tout pour un mode qui est sorti en si peu de temps. D'ailleurs, il a dû avoir des mises à jour depuis que je l'ai téléchargé. En ce qui concerne le jeu en soi, du coup ça change radicalement le gameplay du jeu. Après du coup je suis un peu bon, du coup, je joue au clavier souris, alors que d'habitude je jouerais plutôt à la manette pour ce jeu. Ce qui me gêne un peu c'est que les textures sont jolies à la troisième personne, mais là les textures j'apprécie moins, alors que moi pourtant. C'est rare hein, que je fasse tourner un jeu à fond. Là, je le fais quasi tourner à fond. Donc c'est pas mal intéressant. Mais à troisième personne, c'est quand même un peu plus joli, je trouve. Mais après, c'est moi. Hein, c'est le fait d'être aussi proche des textures, je pense, à la première personne. Mais ça reste joli. Voilà, ça, franchement, ça donne un côté immersif à l'infiltration, comme un peu dans les Far Cry. Hop. Du coup ouais, c'est vraiment c'est un autre moyen de découvrir le jeu. Après pour le jeu en soi c'est le truc c'est que il est pas très bon de base hein. Le jeu moi pour le finir il m'a fallu 2 ans parce qu'en fait le jeu c'est une seule mission. Donc, voilà. C'est pas très long quoi. Il suffit juste de libérer 2 personnes et s'enfuir en avant, c'est fini. C'était pour vous présenter un peu le gameplay à la première personne qui est vraiment intéressant. Vous aurez accès à un lien dans la description pour vous présenter comment ça marche, comment il faut l'installer. Il faut installer. Non, il faut rien installer. Il faut juste aller sur le site web et vous aurez accès au mode. Et il faut avoir le jeu de base évidemment. Le jeu d'ailleurs qui est je crois, environ. Il est moins cher sur PC que sur les consoles parce que bon, déjà les jeux sur PC de base sont moins chers. Et sur console, même il est sorti il n'y a pas longtemps alors qu'à la base il a 1 an le jeu quand même. Donc c'est vraiment dur, oui c'est vrai que le problème du mode c'est vraiment c'est plus dur de viser quoi la première personne vu que le viseur a du mal à se positionner. Après c'est quand même moi qui suis mauvais pour viser. Voilà. Donc voilà. Donc ça reste quand même très intéressant de jouer à la première personne. Si jamais pour le prochain Metal Gear s'ils font la même chose, franchement, limite, je pense que je vais plus à la première personne qu'à la troisième parce que un jeu d'infiltration pour moi c'est plus simple de jouer quand on voit à partir de en FPS quoi. Franchement, moi Far Cry, l'infiltration j'adore parce que c'est la première personne. Donc voilà. Et après les cinématiques, ça revient à la troisième personne évidemment. Voilà. Donc et ce que je veux dire du jeu, c'est que c'est même si le jeu est pas très long, c'est quand même assez sympa de jouer. Du coup, je vous laisse.
sur cette cinématique. Et je vous dis à bientôt. Ciao.